Marcel Hirscher retrouve le sourire et le champagne à Salzbach en Autriche. Seulement sixième du géant mercredi après 20 podiums consécutifs dans la discipline, la star autrichienne a écrasé le slalom disputé jeudi. Il reprend ainsi le fil de statistiques affolantes, 5 victoires en 7 courses cette saison, 9 succès sur les 10 derniers slaloms de la Coupe du Monde de ski alpin. Le jeune Suisse Loïc Meillard n'est pas prêt d'oublier sa semaine autrichienne. Il n'était jamais monté sur un podium de Coupe du Monde. En deux jours, le Neuchâtelois de 22 ans se hisse deux fois sur la seconde marche du podium. Jeudi, Meillard s'offre même le luxe de s'intercaler entre les deux meilleurs slalomeurs du moment. Hirscher bien sûr, mais aussi le Norvégien Henrik Kristoffersen, globe de cristal de la spécialité en 2016.